avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de fin du jour. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto pour une chanson connue s'il en est de Jean-Jacques Goldman, Comme toi. Et regardez un peu ce qui se faisait sur internet, il y a déjà pas mal de tutos sur cette chanson, mais ils sont plutôt axés guitare et parfois un petit peu complexes. Moi, comme d'habitude, j'essaie de vous faire des choses un peu plus simples, tout en me rapprochant de l'original et surtout en vous donnant quelques indications pour le chant. Voilà, je vous dis à tout de suite. Rien de très compliqué pour cette chanson, au point de vue accord. Hein, la seule difficulté, ce sera un Fa, un E suspendu, E sus 4, que je vous détaillerai tout à l'heure. Voilà, je vais essayer de vous proposer une intro qui, sans être la copie conforme de ce qui se passe dans l'original, va quand même nous ramener un petit peu à quelque chose d'approchant. Je commence par un La mineur et je vais faire ceci. Ba, ba, O, ba. Et pour le O suivant, je vais élever mon index. Et je le repose et je refais un O, ce qui me fait ceci. Et pour terminer, je vais faire deux fois O, bas, O, O, bas, O. Allons-y ensemble sur ce La mineur. 3, 4 et... Lorsque je fais un battement permanent avec ma main droite, tout ceci se fait naturellement. Si vous vous arrêtez à un moment donné, c'est fichu. Hein? Continuez toujours à battre avec votre main et tout ça se fait tout seul. Je passe en Ré mineur et je fais strictement la même chose, y compris avec mon index. 3, 4 et... Pour la suite, je passe en Mi sus 4. Sur ce Mi sus 4, je vais faire Ba, Ba, O, Ba, O. Je passe en Mi majeur pour faire juste O, O, 2 O. Et je termine avec une petite phrase qui va me ramener au La mineur en faisant et La mineur. Pareil qu'au début. Voilà, vous avez tous les éléments pour cette intro. C'est un peu confus comme ça, je vous l'accorde. Je vais la faire à petite vitesse et allons-y ensemble. Vous allez voir que ça se passe à peu près bien. 3, 4 et... Et on attaquera le chant à ce moment-là. Ce que je fais là sur le La mineur, ça va nous servir tout le long de la chanson. Donc, maintenant qu'on a vu la petite intro, ben, voyons le couplet. Pour les couplets, je vous propose de faire une rythmique feu de camp. Et vous savez que mes rythmiques feu de camp sont toujours un petit peu particulières. Je me contente rarement de faire le basique, c'est-à-dire ba, ba, o, o, ba, o, ba, ba, o. Ça, c'est un tu-chanson. Il faut y aller mollo sur ces rythmes super réguliers. Ça n'existe pas en réalité. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas. C'est surtout que ça colle pas sur ce type de chanson. Quelque chose aussi régulier, aussi carré. Pour ces rythmiques feu de camp, pour cette chanson au moins, je vous propose d'accentuer le premier coup de la rythmique feu de camp et le 4 qui correspond à un O. Et tout le reste, on va lever la main au point parfois que, certaines fois, on va pas les jouer. Et ça sera encore mieux. Ça donne ceci. Ba, O, O, Ba, Ba, O, O, Ba, Ré mineur. Mi sus 4.
sur le La mineur, on recommence la petite intro qu'on a fait au début. Et on commence. La mineur. J'en arrive au refrain, c'est-à-dire toute la partie qui commence par « Comme toi, comme toi, comme toi ». Et je suis en ré mineur et je vais démarrer par un semblant de rythmique feutrant en faisant juste « Ba, ba, haut ». Pour la suite, je vais faire un « Haut, bas, haut » et sur le « Haut », je dois me retrouver en « Mi sus 4 », ce qui me fait « Haut, bas, haut ». Et comme ça va assez vite, je vais être en ré mineur juste quand je vais faire le haut, le bas à vide, c'est-à-dire je touche aucune corde, je suis en pleine transition, et mi sus 4. À vitesse normale, ça me donne ça. Pour passer au mi majeur, je vais faire exactement la même chose. Haut, bas, haut, sur le mi majeur. Répétons juste cette partie-là. Ré mineur. Mi, au bas, mi, et je termine la rythmique de mon mi majeur pour aller au la mineur où je refais la petite histoire habituelle, c'est-à-dire refaisons cette phrase tout entière, sachant qu'il y en a deux strictement les mêmes. 3, 4 et. Commence. Après ça, une rythmique normale sur un ré mineur. Et là, je vais faire un passage très rapide entre le mi 4 et le mi, ce qui me fait. Et je termine ma rythmique feutrant. Refaisons juste cette partie-là. Ré mineur. Et mi majeur, puis je passe en fa et je fais comme si c'était la première phrase en fait. Au lieu de faire un ré mineur, je fais un fa, mais pour le reste, ça sera pareil, c'est-à-dire au bas mi, au bas et la mineur. Ça doit être un petit peu touffu comme ça parce que on n'a pas le chant. Mais essayons de faire toute la partie refrain ensemble une fois avant d'attaquer le chant. 3, 4 et. Voilà, il nous reste plus qu'à voir le chant. Le premier la mineur du couplet va arriver sur le A de Ave. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. Si on ne faisait pas l'intro, hein, ce que vous n'êtes pas obligé de faire après tout, vous pourriez commencer directement comme ça. Un la mineur pour vous donner la tonalité. C'est-à-dire que vous mettez en la mineur, vous jouez la corde de Ré et la corde de Si. Ça vous donne vos deux premières notes. Elle a... ou elle a... Ça dépend de votre tessiture, de votre tonalité ou de l'octave que vous choisirez. Moi, j'ai choisi de partir en bas. Donc, je suis en la mineur et je vais attaquer le chant directement sur le A de Ave. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. Vous avez vu que mon deuxième la mineur attaque sur robe, ni avant ni après.
Elle avait les yeux clairs et la robe velours. Pour la phrase suivante. À côté de sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de fin du jour. Petite phrase. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, tout Schumann et puis Mozart. Comme toi. On va essayer de s'attarder un petit peu sur cette partie-là pour que vous compreniez bien que c'est comme toi arrive tous sur des O. J'attaque mon ré mineur et le toi arrive sur le premier coup. Comme toi. En remontant. Comme. Et il y a juste là où on revient sur notre intro normal. Toi. Deuxième phrase. Comme toi. La suite, ré mineur. Comme toi que je regarde tout bas. Mi. Comme toi qui dors en rêvant. À quoi pour le DM? Fa. Comme toi. Au bas la mineur. Bien, pour conclure ce tuto, je vous propose de faire la petite intro, puis le premier couplet suivi du refrain, et je commencerai le deuxième couplet, juste pour voir comment il s'en mange, et ça sera à vous, évidemment, de voir la suite. Ce qui serait judicieux, à mon avis, c'est, pour cette chanson, comme on ne fait pas la partie violon, c'est que vous fassiez les premiers couplets, premier refrain, deuxième couplet, deuxième refrain, et là, de refaire l'intro, tout simplement, pour rattaquer le dernier et couplet et refrain. Voilà, en lieu et place de la partie instrumentale au violon. En attendant, allons-y ensemble. Petite vitesse toujours, ça sera à vous d'accélérer après. 3, 4 et... Les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Et la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant, à quoi? Comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles, les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis.
surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Et on attaque le couplet suivant. Voilà, finalement, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans ma démo pour que vous voyez comment on peut placer cette intro à la place des violons de tout à l'heure. Voilà, c'était ma proposition pour cette chanson. Je vous dis merci à vous tous, tous mes abonnés, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. On passe de le devenir pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Et je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau tuto.